Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on attaque la semaine des personnages de films science-fiction et on commence par une Morticia Adams revisitée. Donc voilà, vous m'avez donné l'idée quand j'ai fait le crash test des perruques. Je vous mets les deux en barre d'infos puisque j'en ai fait deux. Voilà, tout simplement. Donc ça va être un maquillage très facile, puisque c'est pas vraiment de l'artistique, c'est juste que je revisite Morticia en violet. Voilà, c'est vous qui m'avez lancé l'idée avec cette perruque, que j'aime beaucoup la couleur. Donc je vais prendre la Midnight 42, c'est bien ça, hein? Ouais. Et je vais prendre la teinte violette ici, la noire ici, et je mettrai un lumineux, je ne sais pas encore vraiment lequel, je verrai au fur et à mesure. Donc je me rapproche un petit ch'touille et on attaque tout de suite. Je vais un petit peu dégager la touffette aussi. Donc j'ai pas mis trop de couleurs sur mon visage et j'ai fait le contouring ici pour bien marquer, vous voyez, et j'ai fait du peaking et j'ai utilisé un bronzer mat pour le contouring et un bronzer lumineux pour le blush. J'ai juste mis de l'highlighter violet. Voilà, comme ça marque bien les traits vu qu'elle a le visage vraiment très 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 fin. Alors, je vais commencer avec un pinceau biseauté et je prends donc la teinte noire pour faire mon coin externe et étirer déjà comme un espèce de crow liner. Je dégrade. On reviendra estomper après légèrement avec un autre pinceau, quoique peut-être essayer de garder une forme un peu graphique quand même. Je rejoins juste ici en ratio externe pour bien marquer et faire bien dark. Ok, ouh, c'est très dramatique. Je prends un pinceau plat et je prends la teinte donc violette qui est. Je ne sais pas lire les teintes. Sans mes binocles, je vois rien. Que je mets à la suite. Je l'étire sur le noir. Hein. Bien évidemment. Avec la tranche, j'achève mon ras de cils. Avec l'autre côté du pinceau, je dégrade ma paupière interne. Je l'essuie et je vais prendre celui-ci pour mettre sur la partie interne de la paupière. Je reprends le violet pour l'intensifier et le dégrader. Je reprends un petit peu du noir. On est plutôt pas mal. Alors je vais prendre un tout petit pinceau crayon. Pour dégrader vraiment un tout petit peu le bord. Et je vais garder le même pinceau pour mon coin interne. J'ai pas de teinte qui me plaise ici. Je vais juste reprendre mon highlighter améthyste de KVD pour mettre en coin interne. Mascara liner, crayon noir, rouge à lèvres noir. Et je vais coller quelques strass noires, je pense ici au-dessus. Et voilà, je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après. Voilà mon look pour le Morticia revisité par mes soins. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. Voilà, alors c'est un make-up très classique pour moi. Voilà. Le rouge à lèvres noir s'imposait. Elle met du rouge, mais pour la revisiter, on est bien comme ça, quoi. Voilà. Bah écoutez,
J'ai rien de plus à vous dire pour ce look. Je vous mets le lien de la perruque en barre d'infos si jamais vous intéresse. Ça vient de chez In. Voilà, voilà. Demain, on se retrouve avec Bumblebee. Donc, à partir de demain, ça va être plus travaillé comme make-up. Hein. Voilà, là, c'est assez soft. On commence doucement, mais on va aller crescendo. Enfin, du moins, on va aller pour ce que moi je pense crescendo. Voilà, donc demain c'est Bumblebee et la suite vous verrez. Donc de toute façon, on se retrouve tous les jours cette semaine pour un look de film, à chaque fois, enfin d'un personnage de film plus science-fiction à 17h30. Et voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez du premier look de Morticia. Et voilà, voilà. Donc bah, je n'ai plus qu'à vous dire de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain et je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.